La confiance s'acquiert, elle ne se demande pas. J'aimerais bien qu'on reparle de l'entretien avec le directeur. Ah mais attends, t'as vu pourquoi on passe quand on y repense, franchement. On a été un peu ridicule avec nos histoires de disparition. À nous d'être attentifs, c'est vrai que l'imagination nous joue des tours, mais... Je veux bien, hein, la communication, c'est... Je trouve ça génial. Seulement, quand c'est nous qui ne donnons pas d'informations, on sait venir nous chercher. Quand c'est eux, bizarrement, c'est un souci de communication, on trouvera toujours une excuse. La communication, c'est bien, mais ça marche dans les deux sens, quoi. Il y a quand même des gens qui ont des comportements étranges ici. T'as raison, il y a quand même des trucs bizarres qui se passent. J'ai entendu dire que Patrick traînait souvent autour de la vache. Qu'est-ce qui se passe ? Il nous refait le remiaque de la vache et le prisonnier ou quoi? À un moment donné, qu'est-ce qu'il veut faire avec sa vache? Hein? On pourrait appeler ça le mystère de la vache.
Ouais, écoute, faut que je te dise un truc. Je suis en train de monter un petit business, mais faut que ça reste entre nous, quoi, parce que... C'est fou, tu prends les risques ou quoi? Avec tout ce qu'on nous prend, franchement, faut que je me fasse du blé. Y a pas d'autre solution. Tu sais que si tu te fais pincer, tu peux avoir de très très gros problèmes. Tu te rends compte que j'organise deux parcours fauteuil dans ma journée? Je suis peinard, je peux m'acheter un paquet de clopes. Tu peux même avoir une petite mise à pied. Mais à un moment donné, je suis à peu près sûr de ne pas être le seul à trafiquer ici. Bon, je monte mon business pour essayer de vivre, hein. À un moment donné, non quoi. En tout cas, je fais comme si de rien n'était. Je suis pas ton complice, pas du tout. Je veux bien être ton ami, mais pas mouillé dans le trafic. Ou alors, on fait 50-50. Bienvenue à tous les deux, à Sabrina et à Erwan, pour cette journée donc inoubliable au sein donc du foyer Jean Couloigné. Donc Sabrina, consentez-vous prendre pour épouse Erwan ici présente? Erwan, consentez-vous donc à prendre pour épouse ici présente Sabrina? Donc je vous déclare donc ainsi donc mari et femme. Un jeu fin pour nager avec lui. J'ai mon crème nager avec lui. Je veux nager avec les jeux fins. Nager avec les jeux fins. Je veux un vin, je veux vin. Oh, oh. Trafic. Est-ce que nous, tu nous verrais avec les vaches? En fauteuil, ça serait pas Patrick. Ça serait pas Patrick. 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 Ça va? Ouais, mais dis-moi, je vois que tu tournes vachement autour de la vache, qu'est-ce qui se passe? C'est une vache, beaucoup cadeau, c'est des enveloppes. Bah, je croyais que ça faisait du lait les vaches, moi, pas des enveloppes. Qu'est-ce qu'il y a dans ces enveloppes? Une flèche. Ouais. Mais pourquoi une flèche? Ah, la fraîche. Ah, de la fraîche? Intéressant ça. Te trouve.
Ah, d'accord, le chacun pour soi et tout le monde pour moi, quoi. Oui. C'est celui qui trouve qui garde. Ok, pas de problème, la prochaine fois que j'en trouve une, je garde tout. La vache. Non, mais t'inquiète pas, je vais être gentil avec la vache. Je vais lui faire des bisous aussi, bien sûr. Du moment qu'elle me fait le du blé, bah, tout va bien.